Moi, mon style d'art serait plus abstrait, contemporain, psychédélique. C'est une drogue, c'est un besoin. Parce que j'ai besoin de le faire tous les jours. Il faut que j'ai besoin de peindre tous les jours. Je ne peux pas passer un jour sans peindre. Sinon, ça va pas. Ça va pas du tout. Coiffeur de jour pour payer son matériel, son petit studio rue Queen West. Artiste de nuit, mais de moins en moins nocturne, puisque son art, tout Toronto commence à le connaître. Mon objectif est de pouvoir peindre tous les jours. La communauté artistique de Toronto est bien. Je dirais, c'est comme un bébé. Ça grandit vite, ça grandit bien. Je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris, dans les banlieues parisiennes. Puis il y a 4 ans, il y a 5 ans, mes parents sont venus à Toronto. La vie de banlieue à Paris, très intéressante. Intéressante, mais difficile la vie de la banlieue. Entre là-bas et ici, Jimmy a choisi. C'est Toronto. C'est ça, un point c'est tout. C'est la création, la liberté, comme ici, dans le marché Kensington. La murale à Kingston Market que j'ai fait est très. C'est une grosse murale que j'ai toujours voulu faire. On a passé une journée et demie à peindre. C'était aussi la première fois que je faisais de l'aérosol. Je ne sais pas vraiment ce que je vais peindre jusqu'à la fin, parce que c'est de l'abstrait, donc mes mains vont d'elles-mêmes. Et puis après, à la fin de quelques heures, je réalise ce que j'ai fait.